Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des transitions avec des cercles. Sur Final Cut Pro, je sais vraiment pas comment vous l'expliquer, j'ai pas trouvé de mots, enfin bref. Mais je trouvais que la transition était assez jolie et du coup, voilà. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre clip et le placer à l'endroit où vous voulez que la transition commence. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans les masques et vous allez prendre masque de forme que vous allez appliquer à votre second clip. Donc là, vous allez changer les réglages. Voilà, vous allez lui donner une forme un peu de cercle. Et on va mettre le rayon à 500 environ. Vous placez ça en bas, enfin le demi-cercle en bas. Voilà. Vous placez votre curseur au tout début et vous allez mettre le rayon à 0. Voilà. Ensuite, vous allez activer le keyframe, laisser jouer la vidéo un tout petit peu, comme ça. Et vous allez augmenter le rayon. Donc pas en entier, vous voyez, un peu plus de la moitié. Donc environ à 630. Je joue encore un petit peu et là je vais venir mettre le rayon au maximum pour qu'on voit plus le cercle en gros. Donc voilà, bon on n'a pas très bien vu mais bon bref, on verra ça à la fin. Là je vais faire la même chose. Enfin, je vais faire ouais, la même chose, mais comment dire. Cette fois-ci, ma transition apparaîtra en haut et non en bas. Mais c'est exactement la même chose, c'est juste pour vous remontrer la technique. Donc voilà. En vrai, c'est assez rapide et simple à faire, c'est juste qu'il faut savoir maîtriser le keyframe, c'est tout. Donc vous voyez, au lieu de placer mon cercle en bas, je vais le placer en haut. Et je fais la même chose. Keyframe. Je la joue un peu. Hop. Change le rayon. Voilà. Je relâche jouer un peu et ensuite je peux tout remettre, enfin mettre tout à droite. Et on a déjà fini. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.